quelques mots perso, rentre atypique ce morceau. Moïse et l'eau, les mêmes questions cachées entre les lignes, les mêmes angoisses dans les esprits, c'est le spleen. Mélancolie, qu'est-ce qu'on fout ici? Quel sens à nos vies? Qui exaucera nos voeux? On manque de réponses. Est-ce pour ça qu'on se défonce? Sur celle qu'on se dépense? Je m'accorde sur instru, un instant triste, drôle de texte où je pousse le pessimisme à son paroxysme. Bouclons tout de suite le chapitre des sentiments. L'amour, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'y ai cru, il est reparti comme il est venu. Maintenant, c'est sûr, je suis vacciné pour me faire vaciller, ça va être dur. Paraît qu'on aime qu'une fois, dommage. Y a pas l'histoire sans orage, à croire que j'ai déjà passé l'âge. C'est pas grave, il me reste, au fait, qu'est-ce qu'il me reste? De l'amour parental, des plaisirs matériels, heureusement quelques amis fidèles. Tout ça devrait suffire à mon bonheur, mais y'a ce putain de spleen qui prend le crâne. J'ai trop conscience que quoi qu'on fasse, un jour on canne. Le shit on crame, dans l'espoir ça nous calme. Oubliez qu'on rame, que nos idéaux de gosses se sont cassés la gueule. Qu'au fond on est fondamentalement seul. On passe notre vie à s'occuper pour éviter de penser au dernier souffle. Vouloir aimer, être aimé, construire pour contrer le néant. Moi je vis toujours les fins d'année en pleurs, une de plus, plutôt une de moins à vivre. Et j'ai toujours pas trouvé de route à suivre. L'exercice est périlleux, y'a le feu mais je suis pas pompier. Mon cœur boule d'amertume mais j'ai pas l'habitude de me confier. Dans le fond tout le monde s'en fout, mon cas sort pas de l'ordinaire. L'écriture m'a thérapie pour éviter la crise de nerfs. Un beat, une base dans les oreilles, la musique m'éveille. Je m'isole encore et encore et je ne vois plus rien qui vaille. Et tout le temps distant, heureusement qu'il y a cette histoire. Au fait il paraît qu'aujourd'hui l'amour devient chose rare. Époque bizarre, où le petit bisou d'un soir est remplacé par des soirées à neuf dans le plumard. Un mois, deux mois, allez je reste avec toi. Six mois, mais dès le moindre émoi, alors là je ne penserai qu'à toi. D'où vient ce spleen? J'ai l'impression que le monde est sale. Stress et speed, je perds mon moteur, mon idéal. Je suis d'un gosse qui a cru trop fort, que sans le moindre effort tout lui réussirait, la vie ne serait que réconfort. Je rêvais d'être président, cette France république, et DJ résident du plus gros son de Jamaïque. Je rêvais de sortir du rang, des putes et mes beatniks. Mais faut choisir ton camp et cette réalité m'attriste. Ces démons qui donnent parfois l'impression que la vie peut être mise en question. D'un jour à l'autre on perd la rage, la passion. Alors y a-t-il une solution? Qui sont ces démons qui donnent parfois l'impression que la vie peut être mise en question? D'un jour à l'autre on perd la rage, la passion. Alors y a-t-il une solution? Après les sentiments, le chapitre de la destinée. Perso je stagne, le bon Dieu a oublié de me dessiner un putain de sentier tout tracé. Donc j'erre, je rêve et j'espère. Nostalgique de l'âge où shit veut juste dire merde en anglais. L'âge où quand on voit une fille on rougit d'emblée. Avant de bander, grandir j'ai pas demandé. Si j'avais su j'en serais resté à la blédina. Dodo après dîner, plongé dans des rêves remplis de bisounours. Loin de penser que la vie est dangereuse comme un bisou d'ours. Loin de penser que j'aurais versé des sauts de larmes pour le départ d'une femme, à genoux mains jointes priant pour un retour de flamme. Mais je n'ai eu aucun signe depuis j'emmerde le ciel. Et mon cœur saigne de ce savoir mortel. En fait tout passe, l'amour comme le reste. Les êtres et les sentiments trépassent et laissent un goût amer. Souvent seul on se retrouve face à l'impasse de notre propre existence. Quoi de plus triste qu'un décès? Surtout quand c'est au sien qu'on n'arrête pas de penser. Voilà le genre de méditation paralysante qui rend les bons moments plus forts et la mélancolie omniprésente. C'est dans ces heures sombres que mes mots me soutiennent. Je leur confie mes démons, mes joies, mes peines. Puisse la feuille ne jamais me trahir. Puisse mon inspiration ne jamais starir. Puisse-t-elle toujours se nourrir de ces choses qui font pas rire. Conscient qu'il y a pire, pardon à ceux qui souffrent vraiment. À côté mes tourments s'offrent le luxe d'un soupir. Et tant pis si ça vous fait sourire. Les soirs où j'ai le cafard par manque de perspective, personne n'est là pour me dire que mes angoisses sont relatives. Je suis pas le mec à emballer, pas plus attirant qu'un bal. Et si une meuf me dit que je suis pas allé, je lui réponds fume-moi n'est pas allé. Je vais même pas toucher sans balles, ça m'empêche pas de dire sympa. Les suites de son de rime en palais, je débite mon flow sans caler. Me prendre un coup, me faire braquer par un brogué dans le chromé. Tomber sur un camé cramé, j'ai connu ça et je kiffe pas trop. Mais l'idée même que des gens puissent en arriver là, ça me rend malade, faudrait les aider. Mais voilà le raisonnement du gouvernement, comment dire ça poliment. C'est la logique du tout puissant, chacun pour soi évidemment. À quand des fêtes de quartier, aux ambiances extraordinaires. À quand des sourires dans le 16ème, aussi sincère qu'à ordonner. Et je rêve du grand soir, sans remettre en cause l'histoire. Je me fais des films, et c'est mon échappatoire. J'aimerais croire, un jour voir tout ce qui me manque aujourd'hui, tout ce qui fait que parfois j'ai le cafard. Voir ma famille unie, me dire que c'est pas fini. Voir les États-Unis punis, Togo je te reverrai c'est promis. Voir ma famille unie, me dire que c'est pas fini. Voir les États-Unis punis, Togo je te reverrai c'est promis. Et qui sont ces démons qui donnent parfois l'impression que la vie peut être mise en question? D'un jour à l'autre on perd la rage, la passion. Alors y a-t-il une solution? Qui sont ces démons qui donnent parfois l'impression que la vie peut être mise en question? D'un jour à l'autre on perd la rage, la passion. Alors y a-t-il une solution? Ouais.